français. Et l'équipe de France qui mène donc. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Attention, le centre. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Wissam Ben Yedder. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Ouais, manqué peut-être de conviction cette attaque. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Ah non. Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé, il stoppe son action, il était hors jeu. PSG qui perd ce ballon. Kanté. Coman. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Voilà, Neymar. Neymar dans ses œuvres, magnifique. Icardi. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Ce ballon qui est dégagé. Marquinhos. Idrissa Gueye. Allez, après tout, pourquoi pas. Neymar. Maurice qui a repoussé. Attention, c'est pas terminé. Oh, il est partout. Encore lui. Mbappé. Pogba. Wissam Ben Yedder. Ballon en profondeur. Kylian Mbappé. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Eh bien joué, Pierre. Oui, il n'a pas offert de solution à l'attaquant, c'est bien joué. C'est repoussé par le gardien. Il était bien placé pour intercepter cette passe. La passe est interceptée. C'est donné en profondeur. Avec Neymar, balle au pied et donc danger. Ouais, l'arbitre qui indique la touche pour le PSG, bien sûr. Mbappé. Ouais, il est en bonne position là pour centrer. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Kylian Mbappé. Attention, personne au marquage. Ah, il est parti trop vite et oui, il se retrouve hors jeu. Marco Verratti. Verratti, le bon ballon en profondeur. Angel Di Maria. Oh, le tacle glissé dans la surface, c'était gonflé. Ouais, belle intuition là de N'Golo Kanté. Mbappé en bonne position. Ben Yedder. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Bernat. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Paul Pogba. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Mauro Icardi. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Ouais, le bon plongeon du Goloris. Ouais, la belle précision de Neymar sur ce corner. Il est en position pour centrer. Bien défendu à côté de la ligne de touche. Ah, la faute commise sur le joueur français, c'est un coup franc. N'Golo Kanté. Kélan Navas qui était bien placé, pas de problème. Mbappé. Thomas Meunier. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Kanté. On n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse.
2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Issam Ben Yedder avec Mbappé. Kingsley Coman. Oh oui, elle est dedans. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. La qualité de Mauro Icardi, on la connaît. On vient d'assister à une première période à sens unique, hein, Pierre. Est-ce que la deuxième sera celle du réveil? Ça, on ne peut pas trop le savoir. On peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré. Julian Draxler. Alors, est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? Paul Pogba. Ouais, un bon ballon d'attaque. Il va pouvoir centrer. Et ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Le réalisateur ne s'y trompe pas. S'il y a un joueur qui mérite vraiment qu'on s'arrête sur lui aujourd'hui, c'est bien lui. Paris a créé de nombreuses occasions. Il sollicite beaucoup le gardien but, comme on le voit sur ses stats. Il a crédité d'un bon match jusqu'ici et en plus il a marqué. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ouais, lumineuse cette passe. Kylian Mbappé. Le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Issam Ben Yedder. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Marquinhos. Gay. Regis, ce ballon en profondeur. Draxler. Le tacle décisif dans sa propre surface. Issam Ben Yedder. C'est mis en profondeur. Kylian Mbappé. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Marco Verratti qui essaie de récupérer le ballon. Manel Kimpembe. N'Golo Kanté. Pogba. Ah oui, mais Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Kanté. La passe de Kanté. Mais il a trouvé un adversaire sur sa route. On a atteint l'heure de jeu. Mbappé. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Thomas Meunier. Ah, c'est hors cadre, mais de peu. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ouais, c'est finement joué là de la part de Draxler, bravo. L'occasion pour revenir à une longueur. Et le but. Et oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. Je vous rappelle le score, hein, 3 buts à 2 maintenant. Bon, il poursuit son action. Attention, ça peut faire but. Oh, poteau! Oulala!
Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Mais l'action n'ira pas plus loin. Ce dégagement qui file en touche. Kingsley Coman. Il faut trouver une option disponible. Qu'est-ce qu'il va faire ? Griezmann. Oh, bien défendu. Contre-attaque peut-être. Mbappé. Il cherche des solutions là. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Oh le. Hey, le gardien qui est battu. Un peu improbable comme scénario quand même, hein, ce qui est en train de se passer ici. On revient à la hauteur de l'adversaire après avoir été mené par 3 buts d'écart. C'est un sacré match auquel on assiste avec beaucoup d'occasions, des buts, mais il est très indécis. Ça peut jouer sur un détail. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. N'Golo Kanté. Pogba. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Attention, c'est pas terminé, malgré Navas. On cherche la faille dans la défense adverse. Le centre au second poteau. C'est un petit peu brouillon en défense. Attention Navas, il a relâché le ballon. Thiago Silva qui dégage. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Oh, c'est pas fini, attention. Et le but. Le but signé Kylian Mbappé. Je crois que ça allait trop vite pour la défense adverse. Et c'est son deuxième but, son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé ? L'engagement à l'instant, l'équipe de France qui doit absolument y agir. Toujours Griezmann. Ousmane Dembélé. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir à mon ami. C'est un carton jaune pour Raphaël Varane. Di Maria. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes hein, pour recoller au score. Ah, ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. Hein. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Kylian Mbappé. Il redonne à N'Golo Kanté. Intervention décisive du défenseur. Attention à la contre-attaque. Neymar. Allez, il lève la tête pour le centre. Angel Di Maria. Ah non, le ballon est perdu. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, la nouvelle occasion. Griezmann. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Thomas Meunier. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. La petite passe par-dessus pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Et voilà, les 3 coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini. Et les joueurs qui n'ont pas baissé les bras, et cette victoire qui va peut-être servir de déclic. C'est surtout les 3 points qui sont les bienvenus. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Très bon match pour lui. Oussam Ben Yedder. Lumineux cette passe.